Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo tuto dans laquelle je vais vous montrer les emplacements des 6 enregistrements diaboliques du nouveau donjon, la Flèche de la Vigie. Allez, c'est parti, sans plus attendre, le premier enregistrement se trouve directement dans la salle en dessous de la zone d'ouverture du donjon. Lorsque vous faites la grande descente et que vous atterrissez dans cette salle, prenez sur votre droite et l'enregistrement se trouvera un petit peu en hauteur. Le second enregistrement, quant à lui, se trouve dans la zone toujours de l'analyse chronoscopique. Quand vous prenez ce petit sas rouge, vous rentrez dans une salle et sur votre gauche, en dessous de l'escalier, vous trouverez le second enregistrement. Le troisième enregistrement, quant à lui, se trouve dans le parcours de saut de l'analyse chronoscopique. Il va s'agir de vous rendre tout simplement sur la passerelle qui se trouve la plus à gauche en hauteur de la salle. Je vous laisse donc découvrir le parcours en vidéo. Un petit peu plus loin, toujours dans cette zone du parcours de saut de l'analyse chronoscopique, juste avant d'entrer dans la salle suivante, vous trouverez le prochain enregistrement. Il se trouve en contrebas, à l'angle de la zone où se trouve l'ascenseur qui vous permet d'accéder au pont supérieur dans un petit renfoncement. L'enregistrement suivant se trouve dans la zone du pare-feu du réacteur, finalement juste avant l'étape où vous allez devoir réalimenter les générateurs. Il s'agit d'un ordinateur qui se trouve au fond sur la droite de l'endroit où vous allez poser le drapeau. Le sixième et dernier enregistrement se trouve donc quant à lui juste après l'étape où vous allez réalimenter ces fameux générateurs dont je vous parlais à l'enregistrement précédent. Une fois que vous avez achevé cette étape et récupéré votre loot, prenez les demi-paliers bleutés qui se trouvent juste au-dessus du coffre qui vont vous permettre d'atteindre le niveau supérieur. Une fois à ce niveau, l'ordinateur se trouvera tout simplement à l'opposé de l'endroit par lequel vous accéderez à ce palier. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous retrouve très rapidement pour d'autres infos et d'autres tutos sur Destiny 2. Ciao tout le monde !